Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le Grand Dialogue JV, c'est la rentrée. On est très très heureux de vous accueillir sur ce magnifique plateau en compagnie de Samantha et Jazia, nos chroniqueuses. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Jazia ne nous dit pas bonsoir. Alors un format un petit peu particulier pour ce Grand Dialogue JV car notre réalisateur habituel Mathieu est en vacances, il est off et donc du coup c'est Jazia ici présente qui va faire la réalisation depuis le plateau. Voilà, on teste des petites choses, on teste de nouvelles choses et on espère que vous avez toutes et tous passé un bel été. Bonsoir à Magic Rem, bonsoir Mougiflo qui est en régie, qui est modérateur et qui s'est abonné à la chaîne. Vous pouvez le faire vous aussi car on est passé affilié sur Twitch durant notre grand stream JV. N'hésitez pas, vous pouvez même utiliser votre abonnement Prime pour ce faire. Alors, comme je vous le disais, c'est la rentrée et on a reconstruit un petit peu l'émission. On est ensemble pendant à peu près une heure et on a plein de belles choses à dire et à vous montrer. Alors vous allez voir qu'on va commencer comme d'habitude par l'actu, ensuite on va passer aux jeux et événements à venir, puis on passera aux 3 minutes chrono, à notre séquence avec notre invité, et on finira par le jeu PEG. Et voilà, j'ai beaucoup trop parlé, donc Jazia, si tu peux envoyer tout de suite le jingle actu, ce serait parfait. Il n'y a plus de tablettes, c'est magnifique. Alors bah, écoutez, si en régie vous pouvez nous envoyer dans l'ordi média la vidéo qui s'appelle Gamescom, comme ça je pourrais vous la commenter, puisque moi je voulais vous parler eh bien, de la Gamescom qui a eu lieu du 24 au 28 août de l'an dernier. Alors si tu veux, Jazzy, tu peux peut-être... Ah voilà, magnifique. Elle passe derrière moi, c'est merveilleux. Si vous pouvez nous la mettre dans la réal, ce serait... Parfait, le temps que Jazia aille régler son petit problème, voilà. Donc là, on est sur Lies of P, il s'agit d'un Souls-like qui se déroule dans un univers très sombre et qui met en scène les personnages de Pinocchio. Alors contrairement au conte de Carlo Collodi, ici on ne joue pas une marionnette mais une poupée mécanique qui va devoir mentir pour devenir un vrai petit garçon. Alors on aura un système de choix qui devrait avoir un vrai impact sur l'histoire. A vous donc de choisir si vous allez être un mytho ou non. Le second jeu dont je vais vous parler, il s'agit de Weird Song. C'est un RPG qui se déroule au Portugal et oui, c'est dans mon pays donc on était obligé d'en parler. Blague à part, le titre est développé par le studio Something Wicked Games dont l'équipe est composée de développeurs qui viennent pour certains de BioWare ou encore de Bethesda. Ça tourne sous Unreal Engine 5. Graphiquement, on peut donc s'attendre à une claque. Faudra en tout cas s'armer de patience parce qu'on n'a absolument aucune info sur la date de sortie de ce jeu, mais comptez sur nous pour vous en parler plus amplement lorsqu'on en saura davantage. On enchaîne avec Outlast Trials, le survival, pardon, horreur psychologique qui n'est pas une suite directe à Outlast 2 mais bel et bien un préquel à l'histoire du premier. Alors en termes de gameplay, ça a vraiment rien à voir du tout avec les deux précédents puisqu'on peut ici affronter les ennemis et jouer en coop. Autant de mécaniques qui ont beaucoup fait parler les fans de la saga, et notamment en mal. Donc sachez en tout cas qu'une bêta fermée aura lieu et sera disponible du 28 octobre au 1er novembre de cette année. Donc voilà, ce sera dispo et vous pourrez tester. On n'y croyait plus, et pourtant ça semble bien parti. Vous avez sous les yeux le trailer de Dead Island 2 qui va voir le jour plus de 8 ans après avoir été annoncé. C'était à l'E3 2014, rendez-vous compte. On va voir si le jeu sera à la hauteur des attentes. Après avoir subi un développement chaotique en passant par les mains de 3 développeurs différents, rien que ça. En tout cas, on n'est vraiment pas sûr que ce titre qui nous fera voyager sur la West Coast californienne voilà, nous sera à la hauteur pardon, des espérances. Rendez-vous en février 2023. Et puis, comment ne pas parler de Hogwarts Legacy? Le titre a dévoilé un petit peu plus de son contenu durant l'été, avec notamment ce trailer très sombre que vous voyez là, et qui donne toujours plus envie de mettre les mains sur le jeu. Alors, on a pu aussi voir récemment les chambres des différentes maisons, ça a l'air absolument incroyable, les différents dortoirs. Hey, team Poufsouffle, dit Badorin. Salut Badorin. Non, ici, ça on est team pas. Plutôt Serre d'Aigle. Oui. Voilà. Oui. PCR d'Aigle. PCR d'Aigle, tout à fait. Mm-hmm. En tout cas, bon, bienvenue aux 10 personnes qui êtes connectées. Désolé pour ces petits bugs techniques. On va résoudre tout ça. Moi, j'ai même plus accès aux commentaires. Voilà, ma tablette, elle a rendu l'âme. Il n'y a plus Internet. C'est merveilleux. Ça fait rien. On va passer à l'actu de Samantha. Donc, je récupère cette tablette. Oui. Samantha, elle va vous parler du rachat de Quantic Dream. Oui. Je voulais parler justement de NetEase Game qui est un studio, un géant chinois qui a acquis pour un montant non dévoilé le studio indépendant français Quantic Dream. Donc
Quantic Dream, qui est basé à Paris et Montréal, qui a été fondé en 97 par David Cage et non Nicolas Cage. Et oui, rien à voir. Et qui est connu notamment pour ses jeux comme Heavy Rains, Beyond Two Souls et encore Detroit Become Human, qui est l'une de ses dernières sorties les plus connues. Donc Quantic Dream travaille actuellement avec Lucasfilm Games pour une nouvelle adaptation de la franchise Star Wars. Donc déjà, ça est une grosse annonce, ça, c'est très prometteur. Et il faut savoir que en fait, le marché du jeu vidéo chinois est assez compliqué. Oui, tout à fait. Pour le marché chinois, c'est une aubaine. Oui, c'est une aubaine. C'est très positif parce que en Chine, c'est le gouvernement qui octroie justement les licences. En juin, il y a 60 licences de jeux vidéo qui ont été octroyées. Donc, c'était la deuxième vague de l'année. Okay. Donc, ce rachat, c'est un signal positif justement pour le marché chinois qui est assez bridé justement par et ciblé par les autorités du pays. Donc ça va amener beaucoup de choses positives et sûrement beaucoup de développement et de collaboration entre la France et la Chine. Exactement. Alors bon, c'est un choix particulier pour les Chinois. Je ne sais pas si ça va payer ou pas. En tout cas, de notre côté, alors est-ce que ça va fonctionner de repasser sur un petit plan? On est en train de régler les différents bugs techniques. Voilà, merveilleux. Bonsoir à tout le monde. Gogo, le canal chat Grand Dialogue. Salut Caral, salut Voroxa, salut Fifrelin Bigre. N'hésitez pas à nous dire à quoi vous avez joué cet été pendant qu'on résout nos différents soucis. Alors, on va essayer de voir si Jazia peut passer ses slides et nous parler de son actualité. Elle voulait vous parler de la petite guéguerre entre Microsoft et Sony. Est-ce que cela va fonctionner ou pas? Voilà Jazia, déjà c'est pas mal. Bonsoir à M3CSL Super Snake. Alors je suis Jazia, c'est moi qui présente. Voilà. Ça va changer, vous n'en faites pas. Je vais vous parler moi de la petite guerre entre Sony et Microsoft. Donc bon, ça a toujours été un peu le cas, mais là il y a des événements en particulier qui se passent en ce moment. Tout à fait. Vous avez probablement entendu parler du fait que Microsoft voulait racheter Activision Blizzard, ce qui a fait réagir Sony, qui n'était pas très content parce que Sony a pu profiter de Call of Duty, etc. depuis des années. Et du coup, là, le fait que Microsoft rachète Activision Blizzard, ça laisserait entendre du coup que potentiellement Sony n'y aurait plus accès. Tout à fait. Donc, ils ont un peu réagi en disant que, en gros, qu'ils n'étaient pas contents. Et du coup, Microsoft a répondu et ils ont mis 5 arguments en avant. Donc, déjà, la stratégie de Microsoft, ce serait de ne pas retirer du contenu aux joueurs. Donc, a priori, Call of Duty serait toujours... dans le Game Pass. Il serait toujours disponible sur Sony, pardon. Il serait toujours disponible à la fois sur dans le Game Pass, mais aussi sur PlayStation. Sony. Voilà. Je suis désolée. Ça c'est l'argument. C'est ce que Microsoft dit en tout cas. Ils disent aussi que les déclarations de Sony ignorent l'aspect dynamique d'abonnement et le fait que Sony propose aussi un service d'abonnement. Et il y a un argument qui n'a pas été révélé. Il y a aussi un argument qui est que il y a de nombreux modèles d'abonnement et de distribution qui existent. Et il y en a plein qui sont absents sur Xbox. Par exemple, ils ont cité le PlayStation Plus. Okay. Ils ont aussi... parce que du coup, entre les marques, etc., il y a des choses qui sont là pour réguler et pour vérifier ce qui se passe. Et du coup, là, la CADE, donc c'est l'organisme brésilien qui est chargé de veiller au respect de la concurrence... qui est intervenu, enfin qui surveille quoi, et en gros Microsoft aurait fourni des documents à cet organisme en montrant que Sony paierait des blocking rights pour que des développeurs ne donnent pas leur jeu dans le Game Pass justement. Donc ça laisse entendre du coup que Sony fait des petites magouilles pas hyper ouais, voilà. Tout à fait. Ça fait beaucoup jaser, quoi. Ça fait beaucoup, effectivement. Merci, Jazia. On a l'impression qu'on a un petit peu tout récupéré, là, côté technique. Magic Rem s'est abonné avec Prime, pas avec Crème. Pourquoi pas, merci. Merci beaucoup. La petite guéguerre Sony-Microsoft, elle s'illustre aussi plus récemment avec, vous le savez, l'augmentation tarifaire de Sony qui a passé la PlayStation 5 à 550 euros, alors que de son côté, Microsoft, eh ben, a pris le parti pris inverse.
en baissant le prix de sa Xbox Series S qui est passé à 260€ si je ne m'abuse, à la place de 300. Voilà donc pour ces actualités. Alors est-ce que cela va fonctionner, Jazia? Tu vas tenter de nous envoyer le jingle de Ils arrivent, puisqu'on va parler des jeux et événements à suivre. On essaye. Ils arrivent, et vous savez ce qui arrive, eh bien c'est d'oublier parfois certaines choses, parce que j'ai oublié de vous envoyer une vidéo juste avant, parce que vous nous l'avez réclamé, et je suis désolé d'avoir oublié, mais vous voyez, je rattrape mon erreur tout de suite. C'était pour voir si vous suiviez et si tout fonctionnait bien. Vous nous avez demandé de revoir le best-of de notre événement Grand Stream JV, eh bien, il est prêt. Alors, si ça marche, mais en tout cas, il est dans les tuyaux. On essaye d'envoyer. C'est parti. Mais c'est vrai que Vincent, t'as l'air d'avoir un sacré level. Un double master. Double master sur Mario Sunshine, bah, sur tous les jeux. Sur la geekerie en général. C'est vrai. Je pense que je me demande comment t'as pu aller au bout de tes études en ayant passé autant de temps à jouer. Oui, tout à fait, la vengeance de Corbin. Ah, j'ai raté quoi? Non. Tu as raté un crash. C'est pas genre t'as pas un temps prédéfini. Par contre, Waluigi, tu passes devant moi, je ne vois pas ce que je fais. Arrête de t'arrêter! C'est un scandale! Oh, mais qu'est-ce que je fais, mon dieu! Qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que non, je fous? Non! 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 Mais ça me pousse! Nick, on le fait vraiment parfaitement. Oh. Ah, voilà! Ah, magnifique! Ah, il est réussi, le bug! Magnifique! Superbe! Et on a perdu la tête! Dans le match! On est bien dans le match! Je suis en défense. Oh là là, la passe de fou! Oh, Jazzy, tu vas te présenter! Oh, oh, c'est incroyable! C'est complètement complètement! Oh, là là. Oh Bob, il danse! Feu de joie! Mets-toi en face de Bob, regarde, il danse! C'est parti! Des équipements qui lui confèrent des caractéristiques spéciales. Et Mario pour la victoire! Mais oui! La remontada du FC Sochaux, c'est incroyable! Bonne nuit, Francky! On va gagner sur ce jeu. Salut-toi! Oh! C'est pas le temps! Ok. Bon bah je crois qu'on sait c'est qui hein, il n'y a pas 36 solutions hein. Ouais. C'est toi? C'est Vincent hein, c'est sûr. Vous êtes restés groupés tous les deux tout le long? Je pense que la question... Moi c'était début de San Andreas. Peut-être t'avais des petits. D'accord. Le misclic, on connaît, le misclic. Libérer à gauche pour qu'on puisse aller récupérer l'objet, ça peut être pas mal. Libérer la crème. Oh là là, là, c'est le. On se rend la balle chaude. Oh, c'est dommage. Ah merde. Oh là là, alors là. Oh merde. Alors là, là, j'ai pas compris. Oh non, c'est parce que j'ai pris un champignon et du coup, ça m'a coupé mon. Ça t'a fait un dérapage. Non, mais c'est pas cool. Mais encore une fois, il est probablement pas connecté à cette heure-ci parce qu'il a une vie de famille. Mais je tiens à énormément et infiniment remercier Eric pour tout le setup technique de cette émission. C'est grâce à lui qu'on peut faire ça et on en est extrêmement reconnaissant. Merci Eric. C'est ça. Ouais, et après tu lâches en appuyant sur B. Ah oui, ok. Ouais. C'est vrai que lui parle pas. Mais il est mort, il a pas le droit de parler. À partir de là, je me suis dit si on était quelqu'un. Mais il est mort. Il est juste. Il est mort. Il est juste dead, quoi. Cette chasse là me. C'est moi, mais c'est moi. C'est qui le pirate? Ah! Ah putain! C'est vraiment génial. Écoutez, je suis pas plombier, je suis pas moustachu non plus. Mais tu es portugais. Bam. Catastrophe. Oh là là, mais oh magnifique. Là, 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 là. En fait, Jazia tire mieux dans la tête qu'elle ne conduit. Je sais pas quelle conclusion il faut en tirer. Sekai no hanzai wa 7割 kenshou shita. Shikashi, mada yononaka wa kusatte iru. Jakusha no ichigeki wo kurawasete yaritai. Voilà, un petit singe gris. 225 pour les bleus contre 217 pour les rouges. C'est donc l'équipe bleue qui remporte les magnifiques coupes présentes sur ce plateau. Bravo à tous. Let's go. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à tous ceux qui sont présents sur ce plateau. À nos invités. Merci Eric. Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci, merci à toutes les équipes de Canal Chat pour leur confiance. Merci à tous ceux qu'on a accueillis sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci à toi d'être venu. Maxou, Mathieu, tout le monde, tous ceux qui êtes venus et qui avaient participé à cette émission.
Et voilà pour ce magnifique best-of. J'espère que ça vous a plu. Bonsoir à Christelle. Bonsoir MacGillgider. Pardon, j'écorche ton prénom parce que je suis ému de voir ça. Mirio Kujo qui nous dit: quel est votre ressenti quant à la présence du grand Akar 025? On est très ému. Il arrive tout à l'heure, Akar. On est très 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 chaud à l'idée de le recevoir. Bonsoir à Poulagashi. Et Vroxa qui nous dit que de souvenirs, et oui, c'était un très bon moment. Voilà, désolé d'avoir oublié le lancement de ce best-of. Je pense que tous les problèmes techniques sont résolus. Faut être un peu indulgent, hein, c'est la rentrée. Et on va, cette fois-ci, avant que je perde ma voix, passer à Ils arrivent. Ils arrivent. Donc. On change de slide. Voilà, magnifique. Donc, en premier, c'est Trail Out. C'est un jeu de course de voiture qui arrive le 7 septembre. Ça arrive sur Switch, PC, PS4 et Xbox One, donc pas sur les nouvelles consoles pour l'instant. Donc c'est une course de, enfin c'est des courses de voitures dans le monde entier. Il y a des explosions, des défis, etc. Enfin, c'est une sorte de Burnout Destruction Derby pour ceux qui voient de quoi il s'agit. Ensuite, on a du coup Steel Rising qui sort le 8 septembre. Donc c'est un action RPG qui se déroule dans un Paris du 18e siècle, uchronique, dans lequel Louis XVI terrorise son peuple grâce à une armée d'automates. Et en gros, le joueur incarne un automate féminin qui est le garde du corps de la reine et qui doit mettre fin à la terreur du roi. On a Snake qui nous dit: ah, intéressant le Trail Out. Je pense que Snake va se laisser tenter par ce jeu. Ensuite, il y a aussi le trailer du coup de Splatoon 3 qui sort sur Switch le 9 septembre. Donc c'est un nouvel épisode de la licence, donc il y a des nouvelles techniques, des nouvelles armes, des nouveaux lieux d'affrontement. Un nouveau lieu d'affrontement, pardon, qui s'appelle la Contrée. Donc je ne sais pas si vous avez quelques mots à dire, vous, sur Splatoon de manière générale. Moi, ce n'est pas une licence à laquelle je joue beaucoup. Je sais que ça a énormément de succès sur Switch. C'est pas quelque chose qui me plaît. Après, écoutez, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas tenter de découvrir la licence avec celui-ci? Ensuite, on a Broken Pieces qui sort le 9 septembre. C'est un thriller d'action, d'aventure et d'investigation qui se passe en France. Ça va, je m'étouffe. Je m'étouffe en direct, il n'y a pas de problème. Non, mais ne me mets pas. Écoute, je fais plein de choses en même temps. Ne juge pas. C'est vrai. Donc ensuite, on a Darktide, Warhammer 40 000 Darktide. Voxa, valide. C'est sur PC et Xbox, donc ça sort le 13 septembre. C'est un jeu de coop qui mélange FPS, hack and slash, et les joueurs incarnent une escouade d'inquisiteurs qui combattent des hordes d'ennemis pour protéger leur planète. Très bien. Ensuite, on a Metal Hellsinger qui sort le 15 septembre, donc c'est un jeu à la première personne, donc un FPS jeu de rythme. Le joueur incarne l'inconnu, c'est un personnage qui défie les enfers pour se venger de la juge rouge. Mm-hmm. Ensuite, on a SBK 22. 2022, ça marchait aussi. Qui sort aussi le 15 septembre et c'est le grand retour de la franchise, ça fait 10 ans qu'ils sont absents. Super Burger King. Super Burger King 22. Oh oh. Ça, c'est un jeu pour moi. Donc ça, c'est un jeu de course de moto. Donc le jeu propose un mode carrière, un mode multijoueur et même un nouveau système d'intelligence artificielle basé sur les réseaux neutronaux. Ensuite, on a Solstice qui sort le 20 septembre. C'est un univers mystique, un RPG dans lequel le joueur incarne deux sœurs transformées en une seule chimère. Très bien. Ensuite, on a The Diofield Chronicle qui sort le 22 septembre. C'est un RPG tactique dans un univers médiéval fantastique. Et c'est l'ère du chaos, la guerre interminable. Et du coup, on fait partie des Renards Bleus. Donc, c'est un groupe de mercenaires qui a pour but de mettre fin au conflit. Très bien. Ensuite, World of Warcraft. Voilà. Une extension de World of Warcraft. Warcraft. C'est difficile. C'est pas évident. C'est la rentrée. C'est sur PC. Ça sort le 26 septembre. Et donc, c'est une extension qui se passe dans le continent gelé de Norfandre. Et il faut affronter le fléau et se frayer un chemin jusqu'au roi Lich. Très bien. Ensuite, Moonscars. C'est le 27 septembre que ça sort. C'est un monde impitoyable dans les ténèbres. Et le joueur doit suivre. Les joueurs suivent Irma la Grise, c'est une guerrière à la recherche du sculpteur qui veut résoudre le mystère de sa propre existence. Magnifique.
Ensuite, on a Valkyrie Elysium. Ça sort le 29 septembre sur PC et PlayStation. C'est un action RPG. C'est un monde inspiré de la mythologie nordique. Et une Valkyrie solitaire tente de sauver les siens. Il y a Christelle qui se moque de ta prononciation de World of Warcraft qui dit World of Whatcraft. Oui, bon, écoute, je galère un petit peu. Là, on va rentrer dans un sujet qui va plaire beaucoup, beaucoup à beaucoup de personnes, dont Vincent. Parlons de ce sujet. Alors, donc c'est FIFA 23 qui se rapproche probablement d'ailleurs notre test de la prochaine émission. Probablement. Probablement, très probablement. ça sort le 30 septembre et c'est la dernière version de la célèbre licence de football en collaboration avec la FIFA. Tout donc, à vous fait. Connaissez tous de toute façon. Oui, je pense que donc tout a priori, le monde connaît. Il y a des améliorations techniques, des nouveaux modes, des nouveaux joueurs. Vincent, t'as peut-être envie de nous dire quelques mots là-dessus. Mais avec grand plaisir. Alors déjà, sachez que c'est le dernier jeu de EA Sports qui s'appellera FIFA, puisqu'à partir de la saison prochaine, ça s'appellera EA Sports FC. Sur ce FIFA-là, moi, ce que j'attends énormément, c'est les nouveautés du mode carrière. On nous a promis beaucoup plus d'immersion, beaucoup plus de possibilités, notamment dans la création du club. On aura aussi évidemment le mode FIFA Ultimate Team qui va être un petit peu repensé. Cette fois-ci, on n'aura plus les liens rouges et verts et oranges qui lient nos joueurs. Voilà, pas mal de petites nouveautés, nouveau moteur graphique, comme le disait Jazia. Ça a l'air très très sympa. Il y aura évidemment une énorme attente autour du jeu. Je ne sais pas du tout si la licence FIFA va être achetée par un autre studio de développement la saison prochaine. En tout cas, je pense que EA Sports a sorti le grand jeu avant l'année prochaine parce qu'ils ont tout intérêt à sortir un jeu qualitatif. Et merci beaucoup pour l'abonnement Prime de moi-même. voilà, donc un jeu qualitatif, on l'espère. En tout cas, ça sort le 30 septembre et notez bien la date du 30 septembre. Genre, on y reviendra tout à l'heure sur les formats de notre chaîne qui vont un petit peu évoluer, mais on vous proposera un live sur ma chaîne perso qui sera hébergée sur la chaîne Canal Chat JV où on va jouer avec Jazia notamment à ce FIFA 23. Voilà donc pour cette petite grande parenthèse footballistique. Ensuite, on a Overwatch 2 qui sort le 4 octobre. C'est la suite du hero shooter de Blizzard. Donc ça prolonge l'expérience PVP en ajoutant le PVE sous forme de mission scénarisée. Player versus player, player versus ennemi, pour ceux qui ne sauraient pas. Et il y a du contenu de coop rejouable. Ensuite, pour finir, il y aura Dakar Desert Rally, qui sort aussi le 4 octobre. C'est un jeu de course tout terrain à travers les courses officielles du Dakar 2020, 2021 et 2022. Il y a beaucoup de choix de véhicules, des systèmes de saison et de météo dynamique, et apparemment de très bons graphismes. Eh bien écoute, on a hâte de découvrir tout ça. Merci Jazia, bonsoir à toi EDDPZ, merci d'être présent sur ce live. On va passer aux événements qui arrivent et ensuite on va enchaîner, vous allez voir, et restez bien connectés pour le jeu PEG à la fin, il va être absolument incroyable. Les événements donc, ma chère Samantha. Oui, c'est mon tour maintenant. Pardon. J'ai des petites slides normalement. Je suis pas encore affichée à l'écran, mais c'est pas grave. Voilà. Oh. Alors, aujourd'hui, je vais parler de trois événements qui vont arriver en septembre, dont deux qui sont vraiment plus centrés sur le monde du manga. Le premier, c'est Tokyo Game Show à Tokyo, du coup, qui sera en présentiel et en ligne du 15 au 18 septembre. À savoir que c'est un événement qui ne s'est pas tenu en présentiel depuis tous les problèmes de Covid. Donc cette année, il se tiendra enfin en présentiel ainsi qu'en ligne. Donc là, le programme n'a pas encore été dévoilé pour cette année. Néanmoins, il promet beaucoup de choses parce que Tokyo, ça reste quand même un centre névralgique extrêmement important pour le jeu vidéo, donc il y aura sûrement, probablement, plein d'annonces. Donc allez à Tokyo si vous le pouvez. Ah bah, et pourquoi pas. Faut y aller. Foncez. Deuxième événement, donc celui-ci est plutôt chez nous, à Bordeaux, et se déroulera le 15 septembre 2022. Donc comme son nom l'indique, l'Indie Game Factory Meeting. Donc c'est une journée d'échange et de rencontres de professionnels et de personnes donc, qui gravitent dans le milieu du jeu indé. Donc il y aura trois thématiques fortes cette année, le publishing, le financement et la communication d'influence. Donc cette journée en fait, est en présentiel cette année et a aussi été en distanciel les deux dernières années à cause du Covid. Mmh. Et cette année, l'entrée est entièrement gratuite et disponible pour tous les professionnels ou les étudiants du secteur. Donc c'est un magnifique événement qui peut être très intéressant et assez cool. Donc allez-y. On incite les Bordelais à y aller tout oui, à fait. Oui, allez-y. Le dernier événement, c'est encore en lien avec les mangas et cette fois, c'est chez nos voisins belges. Donc à Bruxelles, la Made in Asia le 24 et 25 septembre 2022. Donc c'est tout ce qui est pop culture, manga, animé, jeux vidéo.
rencontres avec des vidéastes belges, des ateliers et bien sûr, comme vous le voyez, des shows cosplay. Et aussi dans les invités, ça c'est mon petit coup de cœur, il y a Shinya Ohira qui est un illustrateur qui est plutôt dans l'animation, qui a notamment participé à l'animation du voyage de Chihiro entre autres, mais aussi Berserk. Magnifique. Eh ben, écoutez, voilà. Si vous avez l'opportunité d'aller au Japon, en Belgique ou à Bordeaux, foncez-y. Voilà, merci encore aux 19 personnes qui êtes connectées ce soir. Ça fait très plaisir, c'est la rentrée pour nous. Et on est heureux d'être avec vous sur ce plateau. On enchaîne avec notre prochaine rubrique, si le jingle fonctionne. Alors un 3 minutes chrono un petit peu particulier puisqu'on ne vous a pas préparé de test ce mois-ci, mais une petite vidéo de présentation des nouveautés qui arrivent sur la chaîne. Soyez très attentifs parce qu'il y en a pas mal et on va envoyer la vidéo tout de suite. C'est la rentrée pour le Grand Dialogue JV. D'abord, un grand merci à vous qui nous avez suivis lors du Grand Stream JV. On est passé affiliés sur Twitch au terme de cette semaine et ça nous a motivés à vous concocter un certain nombre de nouveautés. La première d'entre elles, ce sont des sessions gaming qu'on fera deux fois par mois minimum où on va jouer entre nous, mais aussi avec vous. On vous proposera de jouer sur des jeux multi-mainstream, mais aussi de découvrir des sorties récentes. Par exemple, ce mois-ci, on streamera le 30 septembre sur FIFA 23. On va également mettre en place des émissions à thème. On fera par exemple une spéciale Halloween, Noël, mais aussi des formats un peu différents sur des thématiques comme la cuisine, la musique, le sport, etc. Puisqu'il vous a plu, on réitérera le format du Grand Stream JV. Alors, pas nécessairement sur des semaines complètes, mais vous nous retrouverez dans le studio aménagé pour l'occasion, avec nos canapés, notre décor, nos invités, et toujours plus de jeux streamés. Enfin, une de nos volontés les plus ambitieuses est de nous rendre sur le terrain pour streamer IRL des reportages sur les salons ou des lieux dédiés aux jeux vidéo. Le plus gros d'entre eux étant la Paris Games Week, on va tout faire pour mettre en place un workflow efficace et fonctionnel d'ici au mois d'octobre. Vous plairont, n'hésitez pas à réagir pour nous le dire. Notez déjà deux dates où on a déterminé qu'on allait streamer. Donc la date du 14 septembre où on va jouer à Among Us en ligne entre nous, mais aussi avec vous. Si vous souhaitez nous rejoindre, ce sera avec grand plaisir. Et évidemment celle du 30 septembre où on va découvrir ensemble ce FIFA 23. Notez que ces sessions-là seront faites sur nos comptes perso Twitch, mais elles seront streamées sur cette page Canal Chat JV. Donc vous ne manquerez rien. Alors, un frérot sur le chat posséderait-il une Xbox Series S, demande EDDPZ. N'hésitez pas à lui répondre. Pour ma part, c'est Xbox Series X à la maison. Voilà, on enchaîne donc avec la prochaine partie où on accueille notre invité. Petit jingle. C'est plus du tout la troisième partie, c'est vraiment mes notes sont catastrophiques. L'idée est en tout cas dans Guestricon d'accueillir des invités qui sont de près ou de loin liés au monde du jeu vidéo. Et ce mois-ci, on accueille Maxou. Bonsoir Maxou. Bonsoir et merci pour l'invitation. Mais merci à toi de l'avoir accepté déjà. Non, merci à toi. Est-ce que ça va bien? Merci. Ça beaucoup. Va très bien, je te remercie. Magnifique. Alors Maxou, tout simplement pour ceux qui ne te connaîtraient pas dans le chat, même si ça me paraît aberrant, est-ce que tu peux un petit peu te présenter et nous décrire tes différentes casquettes s'il te plaît? Ok, alors moi on me connaît plus principalement sur internet sous le pseudo de Maxou, comme tu m'as appelé, voilà. Ou aussi Akar025, mais on m'appelle souvent Maxou, ça okay. Fait plus intime, ça fait comme si j'étais plus proche des gens. Très bien. Mais sinon, au niveau de mes casquettes, j'ai 4 rôles différents, on va dire. Donc premièrement, je suis streamer, donc sous le pseudo de Akar025. Petite pub. Magnifique, n'hésitez pas à follow pas. Tout de suite. Non. Et puis sérieusement, je suis aussi dans la vie de tous les jours développeur web. Mm-hmm. Donc je fais des sites internet grossièrement parlant et je donne aussi des cours en DUT, donc en école publique, juste après le bac, donc mm-hmm. C'est sur une formation bac plus 3 maintenant. BUT MMI. Très bien. Et ma dernière casquette, c'est je suis modérateur sur la chaîne du grand streamer Actuan. Je pense que certains connaissent le nom. Je pense que tout le monde connaît dans le chat. Poulagashi qui nous dit il est tout sérieux, c'est bizarre. Ah, ouais. Et Tamar qui te dit BG Max. Voilà. Tu as des fans dans le chat. Hein. Je reconnais certains pseudos. Oui, Douja également, première fois sur le chat. Bienvenue à toi, Douja.
Et du coup, tu as dit que tu t'enseignais en DUT. Ouais. T'enseignes quoi ? Alors, en DUT, je suis un intervenant vacataire, donc je ne suis pas prof principal ou quoi, il n'y a pas besoin de formation. Mais j'enseigne l'algorithmie. Donc c'est la matière, pour ceux qui n'aiment pas le développement, qui n'est pas du tout fun, où on va te donner un problème à résoudre en langage de programmation. Donc par exemple, faire un échiquier et juste en quelques lignes de code, donc en langage informatique, générer cet échiquier sur tant de cases voulues, avec les couleurs paires, hein, faire des petits exercices comme ça. Et après, il y a plus d'exercices vraiment centrés sur le web, où je vais leur dire de réaliser un site web avec certains fonctionnements, avec une certaine logique derrière, parce que le but de ma matière, c'est de leur donner une certaine logique de programmation que l'on utilise beaucoup dans le web. Ok. Intéressant. Et comment tu arrives à allier toutes tes activités en termes de temps ? J'y vais un peu au talent. Hein. Il y a beaucoup de talent sur ce plateau. C'est assez compliqué à répondre. Bah, mon travail de tous les jours, forcément, c'est là où je donne le plus de priorité, donc mon travail de développeur web. Après, pour les cours, j'intervenais, parce que là, cette année, je n'ai pas décidé de continuer, je suis un petit break, mais quand j'intervenais ces deux dernières années, c'était une journée entière, toutes les 2-3 semaines, donc forcément, je posais des congés, je devais quand même m'organiser en amont, voir que ça ne tombe pas sur un jour où je pars en vacances, ça serait un peu con pour les élèves de ouais. donner cours depuis un pays étranger. mais à part ça, pour les streams, après, c'est vraiment au feeling. Quand je fais du stream, c'est quand j'en ai envie, quand j'ai le temps. Des fois, ça m'arrive de faire des pauses de 1 mois, 2 mois, et je reviens comme une petite fleur. Ouais, yo tout le monde, donnez-moi vos subs. Mais c'est important quand même. Oui. Donnez vos subs, s'il vous plaît. Du coup, tu parlais de ton rôle de modérateur sur Twitch ouais. avec Actuan. Et tu l'as rencontré comment, du coup ? Comment t'en es arrivé là ? Actuan, au début, j'étais un simple viewer qui parlait peut-être un peu trop, qui faisait peut-être un peu trop de blagues. Et au bout d'un moment, j'ai réussi à devenir modérateur puis admin sur leur Discord. Mais ouais, c'était vraiment en commençant en tant que simple viewer, en étant actif sur la chaîne. Et au final, après, c'est quand même devenu un bon ami. On se voit de temps en temps avec d'autres groupes de modérateurs. On se fait des petites rencontres et c'est assez chouette. Il y a EDDPZ qui nous dit « Tu fais toujours trop de blagues, Maxou. » Et Petite Popo qui nous dit « Le Poti Clown. » Ouais, c'est un peu l'image que je me suis faite sur Internet où aucun de mes streams n'est sérieux. Je suis toujours là à faire des blagues, même quand je fais pas que du jeu vidéo, aussi de la cuisine et tout. Et même là, ça part souvent. Tu fais des streams cuisine ? Ouais, c'est assez marrant. Oh, c'est incroyable. Ouais, c'est... Ça change. J'aime bien faire des petites activités manuelles. Tu cuisines quoi ? Alors, avant, je cuisinais jamais. Ouais. Justement, je me suis dit, il faut que j'apprenne à cuisiner quand même. Je ne vais pas dépendre de papa, maman toute ma vie. Mm-hmm. Et j'ai commencé en live. Au début, mon premier live, c'était plat japonais. J'ai fait des gyoza avec des boulettes. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais j'ai vraiment tout fait de A à Z. Genre la pâte des gyoza, j'ai fait moi-même. Je me lançais dans un bourbier pas possible alors que je n'ai jamais cuisiné avant. Et au final, c'était assez bon. J'avais toujours un petit public pour goûter, c'est-à-dire mes parents. Maintenant, je fais des opéras en pâtisserie. Voilà. Oh là là. J'ai pris en compétence sans vouloir me vanter. Ça t'ajoute une casquette supplémentaire. Tu es chef cuistot. Chef cuistot, ouais, faut pas abuser. Incroyable. N'hésitez pas dans le chat à poser toutes vos questions à Maxou. Il se fera d'un plaisir d'y répondre. Sauf s'il a pas envie. Tout simplement, il fait ce qu'il veut. Pour revenir un petit peu sur ton rôle de modérateur, moi, il y a une question que je me posais, c'est qu'est-ce qui détermine une bonne modération, à la fois sur une communauté comme celle d'Actuan, où tu as des gens qui vont être nombreux et surtout, j'imagine, très engagés. Est-ce que tu as des critères qui sont déterminés par Actuan ? Est-ce que tu es assez libre ? Est-ce qu'il y a des termes ? Enfin, comment est-ce que tu organises une bonne modée ? Alors, ce qui est assez marrant avec Actuan, c'est que... il gère pas du tout sa modération. Non, blague à part, ça se fait vraiment au feeling chez Actuan. Il est modérateur, il prend des modérateurs parce qu'il cherche justement à garder sur son chat. Il a la chance d'avoir une communauté très très bienveillante. Mm-hmm. Donc les gens, ils se gèrent déjà assez bien eux-mêmes. Il y a toujours des nouveaux, surtout les plus jeunes qui vont faire... Pardon, j'étais déconcentré par l'alarme extérieure. Une alarme extérieure qui vient de sauter. Je vous dis que ce live, c'est un live de rentrée, voilà, oui, pourquoi pas. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de rentrer dans le studio par effraction. Pourquoi pas. C'est pas grave, on s'amuse là, voilà. C'est le plus important. du coup, ce que je disais sur la communauté d'Actuan, c'est
ce qui est plus dur à gérer, on va dire, c'est la communauté assez jeune qui ne font pas trop les codes de Twitch, qui viennent un peu raconter leur vie, spammer plein d'émotes pour rien, ouais. Ou poser mille fois les mêmes questions. Des fois, ils ne s'en rendent pas compte, c'est souvent par manque de respect. Genre, comme Actuan, il fait partie du groupe LOT, donc c'est un rassemblement de streamers, de youtubeurs, où il y a aussi Mastu, Linka. Des fois, il y en a, ils viennent juste pour dire ah, c'est quand qu'il stream lui, genre, ils viennent poser des questions qui n'ont rien à voir. Ouais, là, on les gère un peu, on va pas les bannir tout de suite, on va leur parler, on va toujours. Moi, je privilégie toujours le dialogue. Mm-hmm. Des fois, j'engraine même les gens à faire des conneries pour ensuite m'amuser à les bannir un peu, mais ils reviennent toujours, c'est jamais méchant. Mais on a la chance qu'ils se gèrent d'eux-mêmes. On est juste là au cas où pour les recadrer. C'est assez chronophage de gérer tout ça. Est-ce que tu as des plages horaires qui te sont déterminées? Comment ça s'organise en fait, ton planning de modérateur? Bah justement, on n'a pas vraiment d'organisation là-dessus, c'est du bénévolat, mmh. On n'est pas payé, donc même lui il le dit, c'est on privilégie la vie réelle avant. Si t'es moins actif en modérateur, c'est pas grave, on a d'autres, on a une équipe de 11 ou 12, donc il y a toujours quelqu'un pour gérer la modération. D'accord, c'est important d'être une équipe nombreuse ou tu penses qu'ils pourraient se débrouiller avec moins en les rémunérant? Est-ce que pour toi c'est un modèle qui est plus intéressant comme ça? Des modérateurs rémunérés, oui, ça se pourrait, mais après, il faut bien évidemment les moyens. C'est sûr que là, il faudrait que ce soit une personne qui soit tout le temps présente. Ouais. Là, l'avantage, c'est que forcément, il ne débourse pas. Et ça, c'est un investissement de la part des gens de sa communauté. C'est toujours gratifiant de se dire qu'on modère pour quelqu'un. C'est sur la base de bénévolat. C'est vrai que je n'ai pas trop d'avis là-dessus s'il faudrait qu'ils payent des modérateurs ou pas. Là, ça se passe très bien comme ça. Même quand on a des pics de plusieurs milliers de viewers, ça se passe toujours bien. Ok. Alors, je voulais prendre un petit peu de réaction dans le chat, mais si tu as une question... Oui, en fait, comme tu parlais de la communauté qui est bienveillante et qui s'autogère assez naturellement, je voulais savoir quel était le pire commentaire que tu as supprimé ou le pire ban que tu as fait. Alors, il y a plein de types de pires commentaires et tout. Généralement, les commentaires les moins sympas, c'est des trucs racistes. Genre, comme Actuan, il est métisse, t'as certaines communautés malveillantes qui viennent, qui disent des trucs racistes. C'est généralement, c'est leur premier message. C'est surtout ça, les pires bans. Mm-hmm. Après, ce qui est drôle, c'est les gens qui spamment, par exemple, des emojis en caractères spéciaux où t'as un personnage Among Us qui montre son engin, c'est des types de spam. Moi, ça me fait rire, mais je le banne quand même parce que ça nique le chat. Oui. Mais... Je serais le genre de personne qui aurait pu le faire, mais on va éviter. Oui, quand parce même. Qu'on nous dit dans le chat, hein, Maxou, le plus gros troller, quel troller. EDDPZ nous dit, j'ai moi-même dans ma jeunesse été victime des manœuvres machiavéliques de Maxou qui consistaient à me faire faire des conneries et me ban. Point de suspension. Ouais. Tout est pardonné, bien sûr. Ah, le petit Ed, j'appelle comme ça parce que il était justement, c'est le bon profil. C'était le petit gamin qui avait débarqué sur le Discord, qui racontait un peu sa vie en disant tout et n'importe quoi, qui avait pas l'âge d'être là. Okay. Maintenant, il a l'âge, parce que c'était en 2020, c'était il y a presque 3 ans. Ouais, et il était un peu chiant, et maintenant, on l'a recadré, quelques petites baffes derrière la tête, et il est tout sage. Magnifique. Ouais. Alors, Mugiflo a offert un abonnement de niveau 1 à Ed. Bah voilà. Ed, toi, c'est Ed. En souvenir des bons ou des mauvais moments. Petite question, quel est ton jeu du moment et ton streamer? Si jamais tu devais en retenir un. Mon streamer, en ce moment, bah, c'est genre vraiment que... Actuan. Ouais, il y a aussi en ce moment un très bon streamer. Comme par hasard. Ah, non, mais c'est vraiment, je passe pas énormément de temps sur Twitch alors que je stream moi-même, mais je regarde que Actuan. Il y a aussi une plus petite streameuse que je suis, mais j'ai déjà oublié son pseudo, du coup je pourrais pas citer le nom, malheureusement. Ah bah, désolé pour elle, mais sache en tout cas que Maxou te suit. Désolé. Et ton jeu alors? Sinon, mon jeu, c'est. Il y en a deux. Il y en a un que j'ai envie de parler parce que c'est. Il est très à la mode sur Twitch, c'est un petit roguelike Cult of the Lamb qui a une très bonne intégration Twitch. C'est la première fois que je vois un jeu où la communauté peut interagir autant depuis le chat, où ils peuvent créer leurs personnages qui rejoignent ta secte, où ils peuvent faire des votes pour tuer des personnages dans ton jeu. Oh, c'est génial. C'est plein de trucs comme ça. Mais sinon, le deuxième jeu, c'est Pokémon Unite. D'ailleurs, Pokémon Unite qui a eu une mise à jour récemment. Alors, est-ce que tu peux un petit peu nous en parler? Est-ce que tu es au fait de cette mise à jour? Est-ce que tu apprécies cette mise à jour? Alors, je l'apprécie en même temps, je ne l'apprécie pas. J'ai eu quelques petits pics de colère parce que Pokémon Unite qui est un MOBA, donc un jeu où c'est deux équipes qui s'affrontent en 5 contre 5 pour résumer. Et le but, c'est de gagner, bien évidemment. Je suis un assez gros joueur dessus. Je suis master sur toutes les saisons,
sans vouloir me vanter, voilà. C'est très fort. Je sais que FIFrolimbigre dans le chat est aussi un très gros joueur. C'est le rang maximal qu'on peut avoir en multijoueur sur ce jeu. Mais du coup, la nouvelle mise à jour, qu'est-ce qu'elle rajoute ? Elle rajoute une nouvelle carte qui rend, les parties plus surprenantes. Mm-hmm. Il y a plus de choses qui peuvent se passer, donc en e-sport, ça va être plus sympa. Okay. Mais il y a aussi, comme chaque mise à jour, des personnages qui vont être améliorés et d'autres qui vont être un peu nerfs. Et là, ce qu'ils ont fait, ils ont rendu un personnage surpuissant. S'il n'est pas dans ta game, tu es obligé de perdre. Okay. Bon. Et c'est un peu chiant, ça m'a fait rager plusieurs fois. Ouais. J'entends bien. On a Grizzly, première fois sur le chat, bienvenue à toi. Est-ce que c'est le Maxou du Discord Fankai ? Non, pas du tout. Eh ben non, pas du tout, voilà. On avait juste avant Sparkbringer83 qui nous dit bonsoir à tous. Bonsoir Sparkbringer, bienvenue. Écoute Maxou, merci beaucoup pour toutes ces réponses. N'hésitez pas dans le chat si vous voulez continuer à lui poser vos questions, il y répondra avec grand plaisir. Tu vas rester sur ce plateau Maxou parce qu'on ne t'a pas fait venir que pour te poser des questions, on t'a fait venir pour jouer. Et c'est le moment que je pense vous attendez tous et je fais vachement durer le suspense. Et en plus, une fois que j'aurai lancé le générique, je vais parler beaucoup. C'est l'heure du jeu PEG. De retour sur le plateau, et regardez qui voilà, c'est même pas l'inspecteur Gadget, c'est Martin. Bonjour Martin. Martin, je sais pas regarder, vous, les caméras partout. Voilà, alors Martin qui est ingénieur du son, je profite aussi pour saluer la régie, Mugiflo qui a la modée, Nathan qui est au son, et toutes les personnes qui nous accompagnent. Alors, le jeu PEG, j'ai un texte qui est, regardez, vous le verrez pas, mais long comme le monde, pour vous expliquer un petit peu ce nouveau format. Alors, je vais essayer de pas trop lire, mais je vais quand même lire, parce que je connais pas par cœur mes textes, parce que je suis un mauvais élève, c'est pour ça que j'ai pas fini mes études, comme je le disais à Martin. Alors, jeu PEG un petit peu particulier ce mois-ci, puisque c'est Mugiflo, actuellement à la modée, qui nous a préparé un quiz de rentrée pour vérifier que nos cerveaux ne soient pas restés en vacances. Donc on va jouer entre nous sur ce plateau, mais aussi contre vous. Et c'est là qu'on va avoir, Mugiflo, j'espère que tu es mieux connecté en régie, la petite feature des prédictions qu'on a déverrouillée en étant affilié Twitch et qui va apparaître au-dessus du chat. Alors je vous explique tout, parce que moi-même j'ai eu du mal à comprendre, donc j'ai dû me noter tout ce qui va se passer. Vous pouvez d'ores et déjà, enfin dès que Mugiflo l'aura publié sur le chat, répondre à la prédiction qui va s'afficher au-dessus du chat. Quelle est l'équipe qui va remporter le jeu PEG ? Vous avez le choix entre l'équipe 1 qui va être composée de, je sais pas ce qu'il a mis, Jazia et Sam, donc à ma gauche, voilà, équipe 1, Jazia et Sam, et équipe 2, Maxou et Martin, voilà. Donc, je vous explique le principe. Depuis que vous êtes connecté sur ce live, vous avez cumulé des points de chaîne. Ça va s'afficher en bas à gauche. Moi, j'en ai une infinité parce que je suis canal chat JV. Mais vous n'en avez pas une infinité, vous en avez un certain nombre. Et il s'affiche en bas à gauche du chat. Vous voyez, il y a le petit chat et juste en dessous, une sorte de petite boule. Alors, ceux-ci vont vous permettre, entre autres, de mettre en avant vos messages, d'avoir des emojis, de nous donner des défis, etc., etc. Et vous allez pouvoir en gagner. Donc, au moment de faire la prédiction, donc sur l'équipe que vous pensez qui va gagner, vous pouvez miser un certain nombre de points de chaîne, par exemple 10, 20, 30, voilà, des exemples de points, et à la fin, vous allez remporter le nombre que l'équipe adverse aura misé si jamais vous gagnez. Par exemple, si je mets 20 points sur l'équipe bleue, et que c'est l'équipe rouge qui gagne, ceux qui auront voté pour l'équipe rouge... Non, mais c'est un exemple, ne casse pas déjà que j'ai du mal ! Donc 20 points sur l'équipe bleue, c'est l'équipe rouge qui gagne. Ceux qui auront voté pour équipe rouge vont gagner mes 20 points répartis entre eux. J'espère que c'est clair. Moi je ne comprends. Oh là là, il y a une. Alors, je vais vous dire pour l'instant, il n'y a que 488 points qui ont été misés sur Jazia et Sam contre 1300 sur Maxou et Martin. Voilà. Alors, Poulagashi nous dit on croit en toi Maxou. Badorin nous dit tout sur le beau Martin. Ladige, première fois sur le chat, bienvenue à toi. Allez Maxou, fais pas tout foirer. Allez Jazia et Sam, nous dit Grizzly. Oui. Fifre lundi, je crois en les filles ou en le beau jeu, je sais pas trop MDR. En tout cas, il vous reste un petit peu moins de 4 minutes pour voter pour la prédiction. Voilà, n'hésitez pas. Et on entend la pluie, il doit pleuvoir des rafales. On va envoyer le jeu PEG. Alors, est-ce qu'on peut mettre les slides en plein écran ? Donc là, il va falloir deviner. On va écrire sur nos ardoises, pardon, on ne dit pas à voix haute, à quoi correspond ce petit screen. Et je vais compter les points. Je joue moi aussi, même si je ne compte pas mes points. Voilà.
Est-ce que je peux récupérer la zapette, mes amis? Oui. Comme ça, je vais pouvoir... C'est forcément des jeux? Alors, c'est pas forcément... C'est l'univers vidéoludique. C'est pas forcément issu d'un jeu. En tout cas, on a des bonnes réponses dans le chat. Et moi, je vais noter les points sur ma petite fiche. C'est l'univers... Enfin, c'est pas forcément un jeu, du coup. C'est pas forcément un jeu. Je rappelle que les équipes n'ont pas le droit de regarder le chat. Hein. Les équipes. Ah oui, oh là 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 là, les tricheuses. C'est zéro, c'est zéro. Non, mais c'est moins zéro. C'est honteux. Non, mais non, c'est honteux. En plus, j'ai dit la réponse. Ah, c'est honteux. J'ai dit la réponse avant que ça s'affiche dans le chat. Ah bon. Le chat, attendez. Le chat, vous me dites si j'accorde le point ou pas à l'équipe des filles. Je lui ai dit avant. Relevez vos ardoises. L'éditeur de mi. Tu l'as pas noté? Mais non, mais j'ai pas noté. J'ai pas eu le temps. Il s'est passé trop de trucs. Bon, l'éditeur de mi. Accordez le chat. Non, oui, j'espère gagner une prédit pour une fois. Donc en tout cas, et je vais noter également les points du chat. Donc Jazia et Sam. Pénible. Allez, Badoran a dit oui, c'est ok, il y a plus de Lucas. Donc Jazia et Sam, un point. Le chat, un point. Martin et Maxou, un point. On peut repasser. Attendez, pardon, je vous dévoile. Voilà, c'était l'éditeur de mi 2006. On passe au jeu PEC suivant. Ah oui, bien joué, Mougi Flo, évidemment, qu'elles n'ont pas le droit de voir le chat. Que suis-je bête? C'est super agréable. Je suis sûr qu'ils nous recopient en plus, putain. Non. Je pense, non. Ah oui. Hop. Regardez pas notre réponse. C'est ça, non? Ouais. Dans le chat, ça a trouvé. Est-ce que vous êtes prêts à... Je croyais qu'il fallait pas regarder le chat. Mais moi, je joue. Je joue pas dans les points. 1, 2... 3. Ah ouais, non. Très sympa la SM. Nintendogs. Tout le monde a trouvé, bravo. Le chat, un point. Jazia et Sam, un point. Martin, Maxou, okay, un point. Bon, ça fait deux partout. Badorin nous dit très sympa cette ASMR crée. Ouais. Ah, j'espère, ouais. Voilà, c'est apprécié en tout cas. Hop, je passe. On apprécie que vous appréciez. Au jeu PEC suivant, le voici. Oh là là, ça c'est plus technique. Hein. Alors là, je vous avais promis, vous êtes 23 connectés juste pour le jeu PEC comme par hasard. Je vous avais promis. Ouais, toi, ça grince pas. Non, moi, je suis. Alors là, c'est très compliqué, celui-ci. J'allais écrire au stylo sur mon ardoise, pourquoi pas. Comment ça, c'est très compliqué? C'est pas compliqué. Ah, c'est de l'humour. Une étoile. C'est du sarcasme. C'est peut-être de l'humour. Ah, je sais pas, moi. Bien vu, toi, tu fais trop le malin, toi. Qui fait le malin tombe dans le... Dans le pétrin. Dans le pétrin. Alors, Jazzy est parti tricher en régie, je pense. Dans le chat, il va falloir vous accorder. Je prends... Dans les réponses du chat, je prends la majorité. Attends. Moi, j'ai pas de Jazia pour réfléchir. Attendez, oui, Jazia était partie. Je vais aller régler un truc en régie. C'est vrai que ça faisait plus qu'un demi ça. Ah bah, fantastique. Ah bah, me voilà. Eh oui, les amis. Fantastique. Alors, est-ce que vous. Alors, attention, révélez les ardoises. On n'a pas de réponse. Okay. Minecraft, et dans le chat, on a eu deux Zelda, deux Minecraft et un Fortnite. Non, il y a eu trois Zelda. Oh là là, tout le monde a dit Zelda. Vous n'avez pas le point, chers amis du chat. Ça ne fait qu'un point pour Martin et Maxou. Ça fait donc 3 pour nos amis ici présents. 2 pour 3-0 pour le chat. Voilà. Et 2 pour vous, mesdames. La suite, pardon, je parle trop. On y va, on enchaîne. C'était bien Minecraft. Ah, j'ai cru que c'était un bug. Ça, c'est facile. J'ai une anecdote d'ailleurs sur ce jeu. J'ai une belle anecdote. C'est vrai? Tu dois la raconter après? Oui, mais c'est pas sur moi, c'est sur la console. Là, je pense qu'on peut envoyer. Tu veux me mettre en split? Un scratch screen. Bah oui, mais pour que les gens voient, ils ont déjà répondu. La réponse était Atibou. Et regardez comment j'ai écrit Atibou. Mon anecdote. Alors l'anecdote. Là, mais j'avais une anecdote. Parle-nous. Vas-y. Les enfants. En fait, il y a une nouvelle version de Atibou qui a été créée il y a pas longtemps. Et cette nouvelle version du jeu, elle a été créée par les enfants du mec qui a créé le premier Atibou. Incroyable. Ça, c'est beau. C'est vachement mignon. Moi, j'ai joué Atibou Chou. Ah, ça, c'est une voiture, non? Les une étoile sont plutôt simples du Mougi Flo. Mais je me sais plus. Fifrelin nous dit qu'il a des flashs du Vietnam, c'est normal. Je pense pas que ce soit normal. Mais après, je veux pas m'avancer. Allez, on passe à la suite. Ce grand. Ah oui. C'est j'ai. Ah, pas. Comment ça se fait que Martin il est devenu super fort là d'un coup? Alors là. Parce que c'est un jeu très connu. Ah mais si. Ok, je réfléchis. Vaut mieux que. Un jeu très connu, tu peux peut-être me mettre en split, ma chère Jazia.
Comme ça, je vais regardez pas le retour parce que je monte la réponse. Hein. Et les retours ah, c'est vrai qu'il y a des retours vraiment partout. Vous avez tous la bonne réponse. Non, mais on ne voit plus. Voilà. Alors attendez, révélez vos réponses. Ah non, putain, pardon. Choix des circuits Mario Kart. Point d'interrogation. Je savais que c'était un truc avec des marques. C'est Smash Bros mêlée. Eh oui. Je suis deg. Ça fait donc un point. Généralement, c'était un point pour le chat. Tu vois ce qu'il y a autour de. Oui, tout à fait. Regardez, c'est la sélection de map de Smash Bros mêlée. J'étais pas loin. Tout à fait. T'étais pas loin sur la sélection de map. Bravo le chat. J'aurais pu avoir mi point. Petit point sur les scores. 4 points pour Martin et Maxou. 4 points pour le chat. 3 points pour Jazia et Samantha. Ouais, tu joues pas. Moi je joue pas. Moi je suis là pour animer. Il a le chat, il a tout. Moi j'ai tout. Allez, on y va. Bah, allez, Chico. Est-ce que tu peux nous la mettre en plein écran? Oui, je sais. C'est quoi ce bordel? Je suis pas sûr de savoir. Ouais, je pense que je n'ai pas la réponse à cette. Pas du tout, moi. Je crois pas du tout. J'ai pas la réponse, moi. Celui-ci est technique. C'est technique. Le chat, on vous laisse un petit peu de temps pour répondre parce que pour l'instant, on a que Badorin qui est. Ah, Fifrelin se réveille aussi. N'hésitez pas à répondre dans le chat. Jouez avec nous. Ouais. Alors, dans le chat, ils n'ont pas le nom, mais ils semblent s'orienter vers une certaine réponse. Bonsoir, God Cancan, bienvenue à toi. Est-ce que tu veux bien mettre en split? C'est depuis que je réveille. De toute façon, on va révéler nos ardoises. Marie Drolly, bonsoir. Allez, révélez les ardoises, les amis, s'il vous plaît. Maintenant 1, 2, 3. Borderlands, Stray, j'ai révélé. Stray, baby. C'était. Entre les slides, c'était. Les slides Stray, magnifique. Oui. Ça fait donc un point pour Jazz et ça, mais un point pour le chat. Le chat à 5, Martin, Maxou 4. Moogie fait des passes D parce que ça. Bien joué le chat, bien joué à ceux qui arrivent. Fallait jouer à Stray, les amis. Vite la suite. On a hâte. Tu peux nous mettre ça en plein. Ça, je pense savoir. J'ai. Vas-y. Ok, préparez-vous à DSMR. Et on appuie bien. On appuie bien fort. Oups. Ouais, excusez-moi, j'arrête d'appuyer fort. Une craie. On a fait deux. On a une proposition de réponse dans le chat, ouais, mais pas beaucoup plus. Ça me plaît. J'aime ça. Cachez pas. Il y a des tricheurs. Ah, punaise. On a deux propositions de réponse dans le chat. Vous allez, les tricheurs. Je vous vois comme un faucon. J'aurais plutôt dit comme un vrai con. Vous avez la ref? Non. Personne. Est-ce qu'on révèle les ardoises? C'est dans un film. Révélez les ardoises. Age of Empire, The Guild. Et la bonne réponse était, je l'affiche à l'écran, Age of Empire 2. C'est une bonne réponse côté Maxou. Ça fait 5 pour Martin et Maxou. Le chat avait trouvé avec God Cancan. Bon représentant. Pardon du chat. La symbiose. Ça fait 6 pour le chat, 5 pour Martin Maxou, 4 pour Jazz. Et Samantha, on passe au jeu PEC suivant. Ça, c'est très facile. Ça, c'est pas du 2 étoiles. Oui. Ça. Ah. Si vous ne trouvez pas celui-là dans le chat, je vous banne tous. La menace. Ah, il pleut bien. Hein. 3, 2, 1. Bonne année. Et c'est parti. C'est Sea of Thieves. Je bien entendu. Révèle effectivement Sea of Thieves. Un point pour tout le monde. C'est on atteint les 6 points côté Martin Maxou. 7 pour le chat et 6 pour Jazz et Sam. 5, pardon. 7, 6, 5. C'est un de chaque. Alors, je parlais bien. On envoie une pensée à Bob. Effectivement, Fifre, on pensée oui, à Bob. Vas-y. Oui, Bob. Technique celui-là. Non, il est pas technique. Je sais pas. Oh là là, on a eu un enchaînement de 5 bonnes réponses dans le chat. C'était magnifique. Ouais. Vous êtes très fort, le bien chat. Bien joué, le chat. Le chat est fort. Bien joué, ma commu. Le chat en fire. Bien joué, mes petits joysticks. Alors, révéler les ardoises. Ouais. Jazz, si tu veux nous mettre un petit point. Allez, 1, 2, 3. Multiversus, Fall Guys. Oh là 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 là, la réponse Fall Guys qui va faire jaser dans le chat, c'était évidemment. Mais c'est pas, c'est les graphiques. Multiversus. On va tous du doigt, en fait. Dans le chat, pareil. Ed nous dit si je donne le nom du perso, j'ai plus un point. Ed, ah. Ça, c'est quoi Multiversus? C'est bien Gravity Falls. Mais Multiversus, on n'y a pas joué pendant. On y a joué pendant la semaine de stream, pas, pas d'excuses. Eh oui. Et oui. Donc ça nous fait 7 points. 7
7, 5 et 8 pour le chat. Okay, le chat, il est au-dessus. Oh, je me suis Marfond, on monte pas du doigt, nous dit Magic Ray. Oui, on enchaîne vrai. Avec la suite. Oh oui. J'ai. Oh, ouais, moi aussi, ouais. Pour ceux qui me connaissent c'est bien. Carrément un jeu auquel je joue. C'est un de mes jeux préférés all time. All time. All time. Ok, donc c'est un jeu de boomer. Mario Foot. Ouais, je crois, ça me parle. Sauf chaud. C'est exactement ce que je fais. Vincent, les indices, c'est non, je me fais strike dans le chat. Non, mais attends. Ouais, j'aurais dit ça aussi. Je sais juste plus comment il s'écrit, mais. Ouais, c'est comme ça. Ok. Est-ce que vous avez des propositions de réponse? Wow. Wow. Et le tonnerre. Donc allez, montrez les arbres, s'il vous plaît. Mirror's Edge. De l'autre côté, on a quoi? Socho Simulator 2000. Pourquoi pas? T'as dit c'est ton jeu préféré. Et un de mes jeux préférés au time, c'est évidemment Mirror's Edge, le Catalyst, tout à fait. Le chat on fire. L'écart se creuse, l'écart se creuse. On est loin. Caral 94, merci. C'est quoi, c'est un peu du parcours. Hermano, pour ton abonnement Prime, ça fait plaisir. 8 pour Maxou et Martin, 5 pour Jazia Samantha. Non. Si, c'est ça, et 9 pour le chat. Woodara qui nous dit what the fuck, c'est le vrai Akar 025 sur le live. Et oui. Et oui. Bien sûr, c'est le vrai. C'est moi. L'authentique. Vous ne pensiez pas capable? Et il l'a fait. Et il est en tête. Mais il y a encore beaucoup de questions sur ce jeu PEG et je vous propose de découvrir la prochaine tout de suite. Oh oui. Oh, oui. C'est un de mes jeux préférés all time. Tu y as joué. Tous tes jeux préférés. Moi aussi, le prochain jeu PEG, c'est que mes jeux préférés. C'est non. Pardon, mon guide. Il y a joué pendant la semaine. C'est ceux mais ces indices, ils ne fonctionnent pas. Je vous demanderai de la précision dans le chat. Certains sont précis. Il y a des réponses très drôles. Aspirateur, simulateur. Je ne pense pas. Non, il ne fait pas le ménage. Oh, bah Dorin, j'aime cette précision. Je ne peux que approuver, c'est magnifique. C'est qui déjà, Bador hein? C'est Matt, mon meilleur ami. Ah, et je ne peux que apprécier la précision de mon meilleur ami, sachez. Ça va, Matt? Je pense qu'il va. Moi, ça va. T'as passé des bonnes vacances? Il m'a battu à Mario Kart à entier. Ah, le d'excellentes vacances. On révèle les arbres. Ah non, Sam et Jazz sont en train d'écrire. Attends, mets-moi un petit split. Tu peux mettre un focus sur ma réponse, parce que je suis sûr qu'elle est bonne. Attends. Pardon. Allez, on y va. Et 1, et 2, et 1... 2, 3, Portal 2, robot autruche, et non, le robot autruche. Mais oui, non, mais vous avez okay. rien. C'est évidemment Portal 2. Voilà, ça fait 10 pour le chat, 9 pour Martin Maxou, 5 ouais, pour Salah. Ouais, plus que nous. Ah, ouais, parce qu'on a eu le faux. Caray. Mais est-ce qu'il y a un thème? Parce que moi, je vois pas bien jusqu'à maintenant. Ah, il n'y a pas de thème, c'est un quiz. C'est le quiz. Ah, c'est le grand quiz de rentrée, voir si nos cerveaux ne sont pas rouillés. Tu avais joué avec Badorin, justement. Badorin te dit oui. Il te dit qu'il va bien, et toi? Ah, je vais super bien. Et alors, Badoran, est-ce que tu pourras me trouver ce prochain jeu qui a l'air... Trop bien sacré. Ça, c'est pas facile. Hein. Donc, je rappelle que c'est Moogiflo, notre modérateur. Moogie, tu me régales parce que j'aurais été ridicule sur les 4 dernières émissions, mais là, je brille. Voilà, donc là, je n'ai aucune proposition. Alors, dans le chat... Franchement, ouais, donnez vos réponses dans le chat. On a différentes propositions de réponses. J'ai l'air un peu différent. Je pense pas, j'imagine pas. Badoran, est-ce que tu sèches sur cette. Je suis pas vraiment pas sûr. Mais c'est le seul truc qui m'inspire. Aucune idée de Badoran. Alors ça veut dire que là, il y a eu du piège. Du piège. Donc le chat a fait des propositions de réponses qui ne m'ont pas l'air correctes. Okay. Est-ce que vous avez une proposition ouais. Oui, mais qui ne m'a pas l'air correct. Ouais, eh bien, allez, on révèle les ardoises. Vas-y, allez, balance. Révèle les ardoises. On a du SimCity à l'envers. SimCity à l'endroit. Oui, mais là, c'est à l'envers, c'est plus sympa. Voilà. Alors, on va révéler parce que moi-même, je ne sais pas. Il s'agit de GTA V qui est le chat. Le chat. Le chat. J'ai eu des GTA dans le chat. Ed qui sort un GTA, c'est incroyable. Bravo. Ed le monstre. J'accorde le point au chat parce que vous êtes les seuls. Ils ont dit quoi? Eh, GTA. Eh oui. C'est faux. C'est vraiment véridique. Ed avait raison. Je crois pas. Il y a grosse enflammade sur la réponse de Ed dans le chat. Très très chaud. Ça fait 11 points pour le chat. 9 pour Maxou Martin. 5 pour Sam et Jazz. Mais rien n'est joué parce que là on va atteindre le niveau de difficulté 3 avec ce Soyez précis. Voilà. Je n'ai... Alors soyez précis. Ah, si. Non. C'est. Alors. Soyez précis. C'est lequel je... Juste au début, mais c'est lequel Je n'ai aucune idée. Ah bah j'ai. Ah, je sais ce que c'est.
Si je. Alors, par contre, le, soyez précis, je ne sais pas. Mais je sais, quelle est la. Alors, les filles, si vous trouvez la licence du jeu. Ouais, non, mais j'ai que juste quand même. Parce que je vais ma licence prof. Et je me serais accordé le point si jamais je jouais, donc. Ouais, c'est pas un vrai titre de prof. Et puis t'écris pas vraiment avec une craie au tableau, non. Le chat est très très chaud, dit Badon, effectivement. Mais si vous trouvez les licences. Effectivement. Ouais, mais t'inquiète, le chat, vous êtes chaud, c'est incroyable, ça fait plaisir de vous voir autant participer, vous êtes monstrueux, vous avez un niveau de fou. Est-ce qu'on révèle... Alors, attendez, on va laisser Samantha et Jazia faire la proposition de réponse. On n'est pas convaincu, On n'est pas convaincu, non. Alors, attention, révélez les ardoises dans 3, 2, 1. Non, bah c'est faux, prends pas la peine de la retourner. On a Lego Harry Potter, Harry Potter, et c'était... Lego et Harry Potter, effectivement. Alors là, je vais demander au chat. Je vais demander au chat. Tu nous as dit que tu nous demandais la licence. Alors, la licence, c'était Lego, pas Harry Potter. Ouais. C'est pareil. Non. Le chat. Non, Harry Potter est une licence. Lego est une licence. Tu n'as pas précisé. C'est vrai. Le chat, j'en appelle à votre, à vos votes. Est-ce qu'on accorde le point? Mais ça va, ça suffit, ça fait deux fois. Non, mais il va se calmer. Oui, il va se calmer. Vous avez même pas vu, j'étais. C'est une précision. Oui. Accordé. Oui, on valide. Bah écoutez, il y a que le chat. Le chat a transcendé. Nous, on doit sauver l'honneur. Ça fait. Le chat. Le chat a 12. Maxou et Martin 10, Jazia et Samantha 6. Ah, voilà. Ed nous dit j'accorde. On peut même leur accorder 2 points tellement. Bah merci Ed. Dans tous les cas, Alors, soyez précis. Là, je pense que tout le monde va trouver. Mais alors du coup, si tout le monde trouve la licence, j'accorderai le point uniquement au jeu précis. Ah non, mais c'est là ou pas ? C'est pas impossible. Si, si. C'est vraiment pas impossible. Si. Tout le monde a trouvé dans le chat. Donc ce n'est pas impossible. Le jeu en particulier. Ah, le jeu en particulier, ce n'est pas la licence. Sinon, ce ne serait pas 3 étoiles. Okay. Oui, ça va. Je sais pas. Waouh. Oui, enfin, expert. C'est trop chaud. Je m'appelle pas. C'est trop chaud. Je ne veux que de la précision ici. Si on a tout, du début à la fin, est-ce qu'on a 2 points? Ouais, mais c'est pas un meilleur. Non. Et on a même le support sur lequel. Dans le chat, il va falloir vous mettre d'accord. Parce que là, j'ai 3. Oui, oui, c'est les graphismes. C'est pas gagné. Droit, il y a une précision, alors là. Non. Est-ce que c'est FIFRE l'arbitre? Ça compte pas. Alors, il n'y a pas que FIFRE, il y a une précision de la part de Ed, notamment. D'Orfèvre aussi. Je puis dire, mais en tout cas, il n'y a pas les mêmes réponses. Ils sont pas tous d'accord. Ah, donc, accordez-vous le chat. Messieurs, vous avez l'air d'être en accord avec moi. Mec, on est tellement en phase, je regrette de ne pas l'avoir rencontré avant. C'est ben, ça me fait plaisir. En plus, j'ai perdu le nom que je voulais mettre. Lego peut-être. Mario Kart. Harry Potter. Lego. Mais je pense pas que. Sea of Thieves. Et la coupe de crème. Comment, comme ça. Ed qui nous dit, je reconnais la feuille en bas à droite de l'arbre. Moi aussi. Ça, ouais. Ça, je commence à avoir un bug, oui, mais c'est pas grave, de toute façon. Moi, je dis que c'est beau. Alors, dans le chat, vous n'êtes pas vraiment d'accord, mais après, dans un chat, c'est pas évident de se mettre d'accord. Petit plan large et on va révéler les différentes réponses, s'il vous plaît. Pokémon Diamant et Perle, Pokémon Diamant et Perle DS, et la bonne réponse était. C'est ce qu'on a mis aussi. Bah, il faut voir. Ça bug. Pokémon Platine, oui, c'est du 0 non, point. Non. Platine, c'est l'édition Diamant Perle, mais en mode... Dans le chat, bah, dans le chat c'est pas d'accord. La vérité. Non, parce que c'est pas sorti en même Diamant temps. Diamant et Perle et Platine, moi, pour moi, c'est pas la même chose. Moogiflo, tu peux nous dire mais aussi en Platine, c'est celui qui a complété. C'était Platine et non Diamant et Perle, on nous dit dans le chat. C'est niet, c'est pas le même jeu en capitale d'imprimerie, Fifrelin. Là, vous êtes en train de me faire déglinguer. C'est Pokémon, c'est pas Pokémon. Oh là là là, Fifrelin, je pense que... On va faire une descente à la région. C'est comme Emerald de Ruby et Saphir. Je suis un gigarage, nous dit Fifrelin. Le chat, je vous donne le point parce que... On va faire une descente à la région. 10-6 toujours, on enchaîne avec... Je sais pas. C'est quoi ça? C'est Crazy Frog. C'est quoi ce truc, là? Ça, c'est pas évident. Quoi, ce jeu? Bonne fin de stream, nous dit Ed. Salut Ed, merci beaucoup d'avoir participé. Bonne soirée à toi et à bientôt sur cette chaîne. Noyeux. On est où? Il y a des fleurs et une grenouille. Ah, on a des belles propositions de réponses dans le chat. T'as une idée? Je vais pas vous les dire parce que ça se trouve, c'est ça, je ne connais pas la réponse. God Content nous dit celui-là. Aucune idée. J'ai jamais vu ce genre de truc. Quoi. Alors là. Allez, je vais vous demander une proposition de réponse, chers amis. Mougiflo se marre bien.
Je pense pas du tout, hein, mais c'est juste que l'aspect graphique, ça me fait penser un peu à ça, mais non. Vorroxa, je te vois pas beaucoup participer dans le chat. Est-ce que c'est par manque de connaissances? Est-ce que ton cerveau est aussi en vacances? Je ne sais pas. Bob l'éponge paraît pas déconnant. Faites-vous demander de révéler Ratchet & Clank ou Bob l'éponge. Et la bonne réponse était... Bob l'éponge. J'en ai aucune idée. Bob l'éponge. Battle for Bikini Bottom. Incroyable. Le chat s'est validé. Bob l'éponge 3D. Badorin, ça vaut presque un double point. Mais en tout cas, c'est un point pour vous. Un point pour Jazz et Sam. 17. Et le chat, il est à 14. Vous le rattraperez jamais. Bravo. Il rage un peu, Martin, là. J'ai le seum. Ça, je pense que j'ai. Je vais noter tout de suite sur cette ardoise, avant même de lire le chat. Écoutez le nombre de lettres que j'ai. C'est une maison. Avec un toit. Je pense que j'ai. Comment il la regarde? Et en lisant le chat, je pense que j'ai pas. Je pense que le chat. Quoi? Je te dis, je te vois. Ah, oh, la triche là. Les hommes mentent, pas les images. J'ai rien. Inspection des travaux. J'ai rien. Mogiflo, je te confirme, il n'y a pas de triche. Je viens de faire le tour du studio, il n'y a pas de téléphone avec le chat. Je sais pas, elle se jetait un peu, Vincent. Ouais, j'ai cru, mais ma réponse était fausse. Non, il n'y a pas de triche. Alors vous êtes mauvais parce que lui, il a carrément regardé la langue, il a recopié. Non, j'ai mais moi j'ai eu faux, hein. C'était faux ce que j'ai écrit. Oui, bah dis-lui à lui, il l'a effacé. Moi j'ai eu faux, c'est pas la même chose que j'ai écrit. Alors on a des propositions de réponses qui m'ont l'air excellentes dans le chat. Je vais vous demander de révéler vos ardoises, s'il vous plaît. Moi j'ai rien. Lucky Luke. On a rien. Rien. Et la bonne réponse était celle du chat. Encore une fois, Professeur Layton et l'étrange village. Mais ça, c'est. Nous en parlions samedi, tout à fait. C'est des le chat, vous êtes trop fort. Je joue et j'écoute ta belle voix en parallèle, mon cher Vincent. Qu'est-ce que ça fait plaisir. J'aime bien les petits compliments. Voilà. C'est bonne précision. Vaniteux, nous dit-on. C'est vrai. Allez, on enchaîne avec la suite. Cette manche vaut 2 points. Ah, mais. J'ai cru que c'était. Attends, c'est un jeu ça? Flo, faut que je passe ou c'est un jeu? C'est un jeu, c'est ça l'image. C'est ça l'image? Oui. J'ai joué il y a pas longtemps, ça m'a foutu le seum. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? On dirait bien que c'est un. Ok, échange cette lettre là et cette lettre là. Ah, pardon. T'inquiète. Alors, c'est une nouvelle sorte de I. Cette manche vaut 2 points. Ouais, mais comment ça, elle vaut 2 points? C'est un genre. Ce jeu, tu sais. Ouais, mais si tu connais pas le genre. Ou alors, je sais pas. Eh, mais c'est Monopoly! Non. Ah. Ah, c'est le risque. Parce qu'en version, ils font des versions. On a une réponse qui n'est pas celle que à laquelle vous pensez tous, qui je pense est Mono. J'ai perdu ma voix. Et Monopoly. J'ai cru que t'as été muté en plein live. Mais ouais, je me suis auto-muté. Mono. Voilà. On remet le son. Poly. Le bigre m'a mis sur la piste. Ah, oh là là, il y a un. Il y a eu une réponse de quelqu'un qui a l'air d'être bonne, complétée par Badorin qui m'a l'air d'être encore plus bonne. Est-ce que vous avez des propositions de réponse? Ouais. Alors on y va. Dans 3, 2, 1. Allons-y, révélons. La bonne paye, Business Tour. Dans le chat, business, on nous a dit effectivement Business Tour. Et c'était Business Tour. Magnifique. Ouais, c'est ça vaut 2 points. Et donc, on atteint. 1, 2, 3, 4, 5. On atteint les 12 points côté Martin Maxou. Le chat, vous êtes trop chaud. 17. Jazz et Sam sont bloqués à 7 points. On enchaîne avec la suite. Ah, alors voilà. Là, il va y avoir des petits sondages. Des sondages qui s'affichent dans le chat. Je vais laisser vous un petit peu. Joue alors, bien sûr qu'on joue. Ah. Des sondages. Alors, vous voyez quelle est la date de notre toute première émission. Le 14 juin 2022, le 27 novembre 2021, si le 10 mars 2022 ou le 10 avril 2022. J'ai envie de dire que moi-même, je sais pas. C'est vrai? Si, je sais, je sais. Pourquoi c'est ABC4? C'est qui a fait le slide? C'est vrai que c'est ABC4. Qu'est-ce que... Oui, c'est bah, vrai. Parce qu'il ne voulait pas mettre la réponse D, c'est normal. Oui, il a mis ABC4. Mais c'est pas grave, on peut lui en vouloir. Hein. Alors, répondez au sondage, les amis. Pas directement dans... Alors, pas directement dans le... Non, on peut réafficher ou... Ah bah non, le chat, il vote. Le chat, il vote. Faut pas que vous voyez la réponse qui se... Même si vous imaginez que vous la connaissez. Ah, après, il y a d'autres questions, et oui. Ah, non, tout à fait, tout à fait. Alors, non, ne répondez pas, les amis, dans le chat. Votez dans le petit sondage qui s'affiche juste au-dessus du chat. Comme ça, on aura un petit peu une idée des réponses auxquelles vous pensez. On a pour l'instant deux propositions de réponses qui sont majoritaires.
A, B, C ou D, vous votez un petit peu, je ne sais pas combien de temps. Voilà, le sondage est terminé, donc on va révéler, s'il vous plaît, vos ardoises déjà pour commencer. La réponse C, la réponse... Alors ouais, mettez la réponse C. C'est la C, c'est validé, donc il n'y a qu'une personne qui avait trouvé la bonne réponse dans le chat. C'est triste, je ne sais pas c'est qui triste. Je ne sais pas si on peut voir. Le chat n'a pas de point du coup. Le chat n'a pas de point. Ah oui, le chat n'a pas de point. Ça fait un point pour Martin Maxou, un point pour Jazia et Sam. Combien il y a de questions, mon cher Mougui, dans le QCM? 3 à 1 point, 2 à 2 points et 1 à 3 points. Ah ben c'est magnifique, c'est très précis. Quelle console ne figurait pas dans le grand stream JV? Alors c'est toujours ABC4, voilà. Alors il y a la PS2 en réponse A, la Mega Drive en réponse B, la Wii en réponse C et la Xbox Crystal, donc vous savez l'édition blanche de la Xbox, en réponse D. C'est quoi, la 360? Non, c'est la première Xbox, la toute première Xbox. ABC ou D? Martin, tu te souviens pas? Ouais, j'ai un doute. Il y a... Voilà, n'hésitez pas. Voilà, le sondage est en cours. Du coup, on met 4 ou D? Du coup, vous mettez 4 ou D, comme cela vous plaît. T'essaies de faire du mentaliste? Alors, dites-nous aussi si le module de vote fonctionne bien sur le chat. Parce que moi, sur le mien, ça n'a pas l'air de bien fonctionner. De toute façon, si tu votes, ça fausse les... Oui, tout à fait, mais c'était juste pour vérifier. Vous nous dites dans le chat si ça marche bien. On va attendre vos différents votes. Il y a une réponse qui se dégage très largement. Plus de votants sur ce sondage-là. Il a changé d'avis. Quoi? Il y a eu un changement d'avis. Je parlais avec mon collègue. Mais je n'ai rien dit. T'es en train d'insinuer que tout marche, c'est OK pour moi, parfait. Après, je suis vraiment pas sûr, moi j'ai... C'est bon pour moi. C'est bon? Allez, on peut révéler les ardoises, s'il vous plaît. Réponse 4, réponse B. Et non, c'était la réponse B, les amis. Et Mega Drive, elle n'était pas. Aïe, ça fait donc un point. On a joué à Halo sur Crystal, du coup? Ouais. C'était pas une émulation 360? Si, mais la Xbox Crystal, elle était quand même physiquement cachée dans le décor. C'est son meilleur ami qui lui avait offert. Tout à fait, le cher Badoin qui est dans le chat. Donc ça fait un point pour le chat qui a trouvé la bonne réponse et qui atteint donc les 18, déjà. 13 points pour Martin et Maxou et 9 points pour Jazia et Sam. Tout est encore possible dans ce jeu PEG. Allez, on continue et on envoie la prochaine question. En quelle année est sorti Minecraft? Réponse A, 2008. Réponse B, 2009. Réponse C, 2010. Réponse 4, D, 2011. Vous avez la possibilité de voter dans le chat. N'hésitez pas à le faire. Dites-nous en quelle année est sorti Minecraft. Ouais, vas-y, on propose autre chose au pire. Vous nous dites. Parce que... Ça, c'est les dates de bêta, alpha et tout. Pas de triche dans le chat, pas de Google ni rien. Évidemment, on compte sur vous pour jouer Fair Enough. La bêta ou le vrai jeu? Le vrai jeu, mon cher Badorin, pas la bêta. Moi, je me souviens. Le vrai jeu, le vrai jeu. En 2012. Du coup, alpha, c'était. Je sais pas si c'est en 2012. C'est quoi, le chat a bientôt terminé de voter. Ah non, ouais. Je vais vous demander. Non. Attention, c'est bientôt terminé. Ah, mais le chat, il a. Le chat a voté. Je vais vous demander de révéler les ardoises, s'il vous plaît. Réponse 4. Réponse A. Vous n'êtes pas du tout d'accord. La bonne réponse était la réponse 4. Mais 2011. Le chat a voté majoritairement B. C'est donc une mauvaise réponse. Je peux tenir tête à Miguel Flo? Bien sûr. A priori, il n'y a que Badorin qui a mis la bonne réponse. Donc le chat, vous n'avez pas de points. Ça fait un point pour Martin Maxou, 14 à 9. On enchaîne avec le QCM suivant qui va donc attends, valoir... il y a une anecdote là, il n'est pas d'accord. La date de sortie, normalement, c'est la date de sortie du jeu. Là, c'était les dates de bêta et alpha. Du coup, ça me déplaît un peu. Merci. Alors, je vais juste faire une descente en régie après. C'est tout. Tu as raison. Mugiflo, tu as le droit de répondre au micro, mon cher Mugi, si jamais tu le souhaites. N'hésite pas. Ouais, Mugiflo, là, je vais monter en régie après. On va venir te boum. C'est pas les dates de sortie officielles, c'est les dates de bêta, alpha et tout que t'as mis. Mais cache-toi, t'es mort. Bref. Alors, le quiz suivant. Je suppose que tu m'arraches. À combien d'exemplaires s'est vendu GTA V? Évidemment, vous trichez pas. 155 millions, 1,221 milliards, 14 millions ou 8900? On est combien d'êtres humains sur Terre déjà? 8900. Je crois qu'on est 7000. C'est peu. Et il y en a 15 d'entre eux qui sont sur ce live, figure-toi. Ça fait un très bon ratio. Je suis pas sûre. Ratio humanité, personne connectée. 20 même. Elle est sous la prise. Après. On a deux réponses qui se dégagent.
vous vous doutez bien. Non, mais en même temps... Ils nous sont tellement fous, tellement de fous. Et que ça va faire 10 piges, je crois. Ouais. Deux réponses différentes. Non, ouais, si, si. Oh là là, vous êtes pas tous d'accord. Attention. Je l'ai vu, c'est beaucoup, mais c'est beaucoup. Ah, du coup, non. Oui, non, ouais, c'est trop... Vous entendez les débats. C'est comme c'est sorti sur PS4. Pour l'instant, il y a une réponse qui se dégage dans le chat. Ouais, j'avoue. 11 votes sur 15 ou 20 personnes connectées. C'est terminé, je vais vous demander, s'il vous plaît, de révéler votre ardoise. Réponse A, réponse A. Le chat a également répondu A, et la bonne réponse était la réponse A. Félicitations, ça vaut 2 points. Donc tu doutes avec la B, mais non, on n'a pas craqué. Ils ont sorti tellement de rééditions. C'est pas faux, ça aurait pu. Donc 11 points pour Jazz et Sam, 16 points pour Martin Maxou et 20 points pour le chat. On enchaîne avec une autre question à 2 points. Combien y a-t-il de Pokémon jusqu'à la 8e génération? 151. On compte aussi du coup ceux qui font pas partie de la... Flo, combien de Pokémon, pas combien de jeux Pokémon? Ah non, combien de Pokémon? Ah oui, il y en a des jeux. 151. Oui, mais c'est pour ça que je disais. 889, 917 ou 512. Je suis trop fort au QCM. J'ai eu des trop bonnes notes au bac. 12 au bac de sciences au QCM. Ouais. 9. Belle expérience. Mais je me sens quand même fort. Ouais. SVT ou physique? SVT. Non, physique, j'ai eu 2. C'est déjà mieux que rien. Hein. T'aurais pu avoir 1. C'est vrai. Moi, personnellement, j'ai eu mention très bien au bac. Moi aussi. Ok. Très bien, je voulais juste essayer de t'humilier, mais ça marche pas. Et non. Après, ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai fait STI 2D. C'est vrai. Moi aussi, j'ai fait STI 2D. Ah. Et t'as eu mention très bien. Il y a pas de quoi en être fier. Non, j'ai eu mon bac. C'est déjà pas mal. Mieux que rien. C'est mieux que rien. Est-ce que vous avez eu votre bac? Allez, place au jeu, s'il vous plaît. Pardon. Facile, ça, nous dit Badorin. Dans le chat, il y a eu des... Ah, il y a quand même une réponse qui se dégage dans le chat. Bon, une grosse, ça se dégage non, même très largement. Énorme. Toujours une... 10-11 votes à peu près. Ouais, il y en a beaucoup. Je me suis arrêté il y a tellement longtemps. Je sais pas. Oh là 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 là, Badorin et Fifrelin ont l'air d'être les deux qui ont voté pour la même réponse. Et qui disent on va perdre. Fini, on montre, s'il vous plaît. Le chat a répondu B. Côté Maxou, sa réponse C. Et sa réponse D. C'est trop tard, il n'y a pas de nom. C'est... La réponse est la réponse B, 889. Il y a donc, c'est le chat qui a gagné, c'est bien la B. Voilà, 2 points pour le chat, aucun point sur ce plateau. Le chat, vous avez atteint les 22 points, c'est incroyable. Bien joué, le chat. Question à 3 points. Bravo, le chat. À quel prix? J'ai l'impression de faire qui veut gagner des millions, c'est incroyable. Si on... La prochaine fois, on met l'ambiance et tout, JP Foucault. À quel prix s'est vendue une cartouche de Mario 64 datant de 1996 aux enchères? Réponse A, 150 000. Réponse B, 27 899. Réponse C, 2,6 millions. Réponse D, 1,56 millions. Vous pouvez, mon cher chat, répondre dans le petit module de vote. Chers amis sur ce plateau, à vos ardoises. Je l'ai acheté 15 euros dans un truc l'année dernière en Bretagne. Hein. Alors je précise que cette cartouche était encore non ouverte sous blister d'origine. Ah oui, oui. Elle n'était pas signée. Ah voilà. Donc ça veut dire neuf, quoi. Le truc est neuf. Ouais, c'est vendu. Genre, ça passe de 100 balles à 200, 300 balles. Je crois avoir déjà vu l'info. Mais une carte Pokémon, ça se vend des fois, je ne sais plus combien de... Oui, Dracaufeu. Il y a de l'hésitation. Le premier Dracaufeu, là. Carte, oui, signée par Mario lui-même. Les boxeurs. Moi, je dirais... Je crois avoir déjà entendu parler de un ancien youtubeur qui est boxeur, maintenant je sais plus comment il s'appelle. Là. Ah ouais, Squeezie. Alors que Fifrelin débat avec Mugi c'est pour le nombre de Pokémon. Non, pas du tout. Je dirais ça, mais. Ouais, ça me chauffe. Il me semble qu'il y a un court métrage. Le chat a bientôt terminé. Court-métrage de Cyprien. Attention, ça va être maintenant. C'est parti, il faut révéler les ardoises, s'il vous plaît. Mettez une réponse. Réponse 4. Réponse A. Le chat a répondu C. Et la bonne réponse, c'est la réponse 4. Et oui, voilà. Maxou. Je m'en trompe. Tu connais pas tellement Pokémon, hein, Tatia. 3 points. 3 points. Le chat, le chat, vous n'avez pas le point. Tatia et Sam non plus. Martin et Maxou remporte ces 3 points. Ah, combien il reste de questions, Flo? C'est fini. C'est fini. Et bien voilà, la fin du jeu PEG. C'est une victoire donc de Martin et Maxou. 19 points. Le chat, 22 points. Bravo à vous. Samantha et Jazia auront 11 points. Donc mon cher Mugi, si tu peux mettre fin à la prédiction et donner les points à ceux qui ont voté pour Martin et Maxou. Fifrelin Bigre,
et Badorin ne sont pas d'accord avec Mouchflo sur le nombre de Pokémon. Il y a embrouille. Dinguerie, GG, en tout cas voilà. C'est bien Maxou et Martin qui ont gagné. Maxou et Martin ont gagné, tout à fait. Donc ne te trompe surtout pas, parce que voilà, les prédictions sont terminées. Ma famille. Vous pouvez récupérer, vous allez récupérer donc le nombre de points. Enfin bref, je vous ai expliqué ça tout à l'heure. Je vais pas revenir là-dessus. Ainsi s'achève, maintenant c'est comme ça que l'émission se termine par le jeu PEG, ainsi s'achève cette émission. Un grand merci Maxou d'être venu sur le plateau. Et merci à vous de m'avoir invité. Non, merci à toi. Non, merci à toi vraiment. Non, toi. Non, arrête. Ok, j'arrête. Ok, merci à moi. Ouais, merci. Merci à moi. Merci Martin, merci Jazia, merci Samantha. Et merci Eric. Merci Eric aussi, pourquoi pas. Et merci à vous qui nous avez suivis durant cette émission. Ça a fait très plaisir de se retrouver sur ce plateau. On revient le mois prochain pour cette émission. Mais donc, comme je vous le disais, on revient bien plus vite avec des sessions gaming. Restez connectés. Vous avez entendu 14 novembre pour Among Us et bien plus encore. Voilà, n'hésitez FIFA pas. 23, FIFA 23, voilà. Incroyable. N'hésitez pas à partager cette chaîne, à vous abonner Jazia, avec votre abonnement Prime. Ça nous fait très plaisir, ça nous soutient, ça nous permet de faire plein d'autres projets. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous, à bientôt en vrai ou en ligne, et portez-vous bien. Envoyez vos subs.